Bah, l'intérêt, c'est de découvrir des jeunes artistes. Donc, qu'on ne peut pas découvrir dans des galeries comme ça, car ils n'ont pas la chance d'être exposés, en fait, quoi. Après Lyon, Toulouse et Paris, Bazart s'installe pour quelques semaines à Nantes. Bazart, c'est un hypermarché de l'art qui permet d'acheter simplement et rapidement une peinture. Bah, c'est moins strict et rigoureux qu'une galerie. La première approche est plus facile. Et c'est surtout meilleur marché, de 395 à 995 francs la peinture. Les œuvres sont classées comme des CD, dans des bacs. Nathalie Le Guil, une Nantaise de 33 ans, s'expose pour la première fois à Bazart. C'est un double intérêt, un intérêt financier, bien sûr, et puis l'intérêt aussi d'avoir été reconnue par rapport à ce que je fais au niveau de la sélection, parce qu'il y a quand même beaucoup d'artistes qui ont participé à cette sélection. Dans ce Bazart, 1600 œuvres vous sont proposées, et avec les peintures, on fournit même aux clients un certificat d'authenticité.